Je sais pas ce que j'ai. Ce que t'as encore. Je sais pas, je suis crevé. C'est la première fois que ça me fait ça. D'un coup, changement de saison. Coup de barre, tu vois, je veux dire, ça fait 2-3 jours, là, je vois tout trouble. Chaleur. C'est rien, hein. Ouais, c'est terrible, quand même. Fait chier en plus, parce qu'il y a machin, là, il y a le mec de chapeau melon, botte de cuir, je l'aime bien. Moi. Ah, c'est bien, ouais. C'est ton partenaire. Il y a Colombo aussi. Ouais, il est sympa. Oui, il est bien, lui. Il y a Frédéric Dard, tu vois. Je l'aime bien, Frédéric. Ouais, mais alors, il est bien, c'est bien. Bien, bien. Ouais, mais je sais pas, tu vois, je suis pas bien. Ça va aller. Je vois des... Vous savez ce que je vois? Non. Des éléphants roses. Où? Tiens, regarde, bah, regarde. Ouais. Vous les voyez, là? Non, bien sûr, il y a deux éléphants roses. Et derrière, t'as des iguanes géantes qui pondent des œufs. Ah bon, vous les voyez derrière, oui, bah oui. Juste là, regarde, il y a deux dinosaures bleus qui sont en train de s'embrasser. Ça me rassure. Non, le mâle, il est bleu clair, même. Bleu clair. Thierry, il y en a une demi-douzaine. Viens, on va au boulot. Viens. Ouais, si vous les voyez aussi. Et rose, rose, c'est embêtant, hein, c'est un beau rose. Vous les voyez pour un éléphant. Ah oui, c'est là. C'est enfin, il y a du tout, ça me l'a fait aussi. Bon, toi, François, maintenant? Ben écoute, moi, ça va bien. J'ai fini là, le troisième tome de ma série sur les langues européennes et l'avenir des langues européennes, qui marche bien, que j'ai fait avec Maître Capello, que tu as lu, probablement. Pas encore, non. Que tu liras avec plaisir, parce que c'est bien. Et puis, je suis sur une série pour la chaîne culturelle. Je suis sur une série qui s'appelle Un peintre, un village, et qui est une espèce de construction sur... Un peintre et le village dans lequel il est né, et donc il y a toute une espèce comme ça de progression dialectique où on voit se rejoindre au fond la personnalité du gars et la personnalité du village, et c'est pas trop noir, c'est... On cherche pas trop la cible jeune, hein, c'est plutôt... Tu fais quoi, Thierry, toi? Moi, je suis retourné dans la pub, là. Ah oui, t'es pas resté dans la télé? Non. C'est vrai que je t'ai pas... Bah après, t'as essayé ou t'as pas voulu? J'ai essayé, mais après Double Jeu, c'est... Je sais pas. Ah, c'était bien Double Jeu. Ça, c'était bien. C'était pas un peintre, mais cool. Ça, c'était bien. Ouais. Vrai, tu vois. J'ai monté une petite agence, là. Tu vois, il en est. Il est dans la pub. T'as des budgets, t'as... Un budget. C'est quoi? Poulet prêt à cuire, 12 France. Ah oui, je l'ai vu. Vous m'en direz des nouvelles, ouais. C'est pas ça? Tu l'as vu? Oui. C'est pas mal. Je suis pas très poulet, mais... Ça marche bien, enfin, ça commence, quoi. Je suis en train de me refaire, là. Ouais. Enfin, c'est bien le double jeu, au moins c'est positif, ça. Au moins tu vends quelque chose qui parle aux gens. C'était bien le double jeu. Tu fais quoi, toi, Loulou? J'ai fait ma cassette, là, le Rebelle. Ouais. J'ai fait une dédicace à vous en venant, on a cassé 4 vitrines, quand même. Bonne ambiance. C'est la 6e, non? C'est la 9e. La 9e. C'est le Rebelle. Pas tout, ça marche bien, alors t'es content? Ouais, mais c'est pas double jeu, c'est... Ouais. T'y penses des fois, ouais. Moi, ça me manque. T'y penses? J'y pense, et j'y pense pour vous dire la même chose que je vous disais à l'époque. C'est-à-dire que vous avez coulé cette ambition à force de dire des gros mots et de faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est là, vous lamentez. Moi, ça me revient des fois par bouffer. Vous y avez pensé? Ben oui, on a reçu ton fax. C'est vraiment gentil, je ne voyais pas du. Alors, petit bonhomme, ça te fait combien maintenant? Ben, ça me fait un de plus, mais vous, j'ai l'impression que ça va vous faire pas mal en moi. Attends, pourquoi tu dis ça? J'ai vu la chaîne, qu'est-ce que tu fais? Il y a des restrictions budgétaires en 92. Ah ouais? Attends, et t'as rien pu faire? Ben, vous êtes marrant, vous. J'ai déjà eu vachement de mal à me faire augmenter, moi. Bon, allez, les mecs, c'est pas grave, on est à l'antenne. Ouais. On le mange, ce gâteau? Mais il n'y a aucun problème, Thierry. Tu vas te le manger, ton gâteau. Allez.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue au Folies Bergères pour Double Jeu. Arrête ça. Tu le faisais mieux avant. Hein. Bah, ça fait 5 ans que je l'ai pas fait. Ah, tu le faisais mieux avant. 92, tu le faisais bien. Tu seras grand-père et tu continueras de faire ça à tes enfants. Bonsoir, bienvenue au Folies Bergères, votre Double Jeu. Faut savoir passer la main. À quel âge tu t'es fait des cheveux blancs pour la première fois? Bah, juste après Double Jeu, là. Pauvre lapin. Je pensais à Junio, là. Tu te souviens? Bonne émission. Hein? Elle était bien, celle-là? Oh, non. Quoi? C'était pas l'histoire des pinces à seins? Ouais. Oh. Bon, c'était bien marré. Tu connais l'interview à Benda? Pardon? I beg your pardon. Le plus, le moins. Le plus, le moins. Ouais. Par exemple, ce qui te plaît le plus dans le cinéma? Ah, c'est à moi de répondre. Ouais. C'est toi l'invité. Ah, ce qui me plaît le plus, d'accord. Ouais. Hop. Ouais. Ce qui me plaît le plus dans le cinéma? Ouais. Il y a un côté Club Med. C'est-à-dire qu'on a une feuille de service, on sait ce qu'on doit faire, tout est organisé, on sait où on va manger, on donne de l'argent de poche pour dîner le soir. Ça, c'est très agréable. Il y a un côté comme ça, on est pris en charge. Et ce qui te plaît le moins dans le cinéma? C'est l'attente. Enfin, je peux te dire... Oui, façon de parler. C'est pas ça pour vous. Non, mais ça va. Mais avec ce plus, maintenant. C'est d'attendre. La plus grande joie de ta carrière? Oh, qu'est-ce que... De quoi? Qu'est-ce que... La plus grande joie de ta carrière? Ben, c'est de continuer. Ouais. Continue à faire ce métier, ouais. Ça m'étonne toujours. La plus grande déception? C'est de ne pas avoir fait certains films. Que j'aurais voulu travailler avec des grands. Qui t'ont pas pris. Qui sont disparus. Qui ont disparu. Ouais. Non, c'est vrai, j'aurais voulu. On avait des projets avec De Funès, avec Ventura, tout ça. Et ils sont partis, ça m'énerve. Ouais, bonne réponse. Oui, ouais, intelligente, sensible. Bien, ça, là. Sensible, elle n'est pas idiote. Non. Ton plus gros coup de fric? Coup de fric? Ah, ouais. J'ai réalisé des pubs pour l'auto. Ouais, ils t'ont laissé gagner? Non, pas du tout, mais comme c'est plutôt bien payé la pub, j'ai fait beaucoup de pubs pour l'auto, là j'ai gagné l'auto. Ta plus grosse perte? Ah, oh, c'est... C'est les cheveux. Ce que tu préfères en toi? Le regard. Fais voir. Il est bien le regard. Ce que tu détestes en toi? Ah bon? Ben non, il y a pas une tête qui est posée, il n'y a pas de cou. Il n'y a pas de cou, donc forcément, il y a un double menton. Ça a fait ta fortune. Ben alors, donc, je me... Ta plus belle histoire d'un moment? C'est vous. Ah. Et la plus minable? Ben, c'est vous aussi. Moins gentil. Est-ce que tu es plus sexy en toi? Les bras. Ouais. Et de moins sexy. Oui, c'est une obsession. Ce que tu préfères dans le sexe? Le bout. Ouais. Ou le bout. Ouais. Ce qui te dégoûte dans le sexe? Et quand les poils tombent. Ah oui. Ouais, ça c'est très dégueulasse. Il faut une poitrine bien ferme qui tient bien encore. Ah ouais, non, c'est ouais, quand de ce côté les feuilles noires qui se ramassent. À la ah, ouais, tu regardes des cassettes porno? Allez. D'une main? Oui, non. Ça m'est arrivé une période de disette. La dernière fois. Si, pour voir. Il y a 2-3 ans. Ah, quand même, ouais. Pour voir, il y a des choses comme ça qui me... Des tailles comme ça qui... Ah, c'est impressionnant. Ouais. Ça laisse rêveur. Ah oui. C'est le temps qu'on prend. Ouais. T'as déjà fait l'amour à plusieurs? Non. Jamais? Enfin, plus de deux, quoi. C'est ce que je voulais dire. Peut-être une fois, il y a 15 ans, 20 ans. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu t'es fait aider. Ouais. Ça s'est passé bien? Oh non, ça t'intéresse. Non, j'aime pas. Ah, mais t'as pas aimé? Non, je suis pour ça. T'as déjà utilisé des instruments? Les démons de pneus, les trucs. Les pinces à soins, quoi. Non. Jamais? Non. Ou alors des trucs qui me tomberaient sous la main. Un verre, une bouteille, un truc, mais vraiment... T'as déjà eu des expériences sadomaso? Non, enfin... Tu t'es jamais fait fouetter, par exemple? Non. T'as jamais eu envie? Non. Non, on m'a fait mal, des fois. Ah, sans le faire exprès. Sans le faire exprès, t'es maladroit. Et dans 20 ans, tu te vois comment? Je préfère pas y penser. Non, mais franchement, vous avez pas des souvenirs plus intéressants que les pinces à seins? Faut pas se plaindre, les gars. Où est-ce que vous en êtes? Vous n'avez pas quelque chose de plus élevé à transmettre à vos petits-enfants si. Que les pinces à seins? Si, Gloria Lasso. Ah.
Bah non, mon pauvre, ça va pas plus fort. Vénus, mon ami. On en a eu des grosses truies dans l'émission, mais elle était vraiment bien. Ouais. T'as été à l'enterrement, toi? Non. Non, j'ai pas pu y aller. Non plus, j'ai pas eu le courage. Ça me rappelait double jeu. Moi aussi. Vénus, mon ami. Oui, tu me l'as déjà chanté, t'es fatigant avec ça. Vénus, mon ami, bienvenue au Folies Bergères. Enculé. Vénus. Oui, Vénus. Tu veux pas qu'on le fasse? Vénus, mon âme. Tu t'en souviens pas? C'est difficile d'oublier les autres. Si tu le fais pas, je vais le faire, fais gaffe. Ah bah tu veux dire que je chante? A cappella. Oula. 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 Mon petit vous, oui. Oh Vénus, oh Vénus, Vénus, oui. Vénus, mon ami, là, là. Voilà, c'est moi qui l'ai assez, c'est incroyable. Ah, je me souviens maintenant de Vénus, oui. Ah. J'avais fait, attends. Oh, ces bouboules sont merveilleuses. Merveilleux. J'avais fait un clip. Ouais. Parfaitement idiot. Bien sûr. Oui. Tu veux qu'on en regarde un petit bout, là? Oui. Voyons voir. Regarde. Ah oui, ça t'est rigolo, oui. Regarde. Oh, Vénus. Oh, Vénus. Vénus, mon ami. Étoile de la nuit, je vous en prie. Envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé. Il est temps de venir m'aider. Voyez sur mon lit, il n'y a jamais eu qu'un oreiller. Et dans la triste chambre où je m'ennuie, j'aimerais bien le partager. Et le soir vous dire bonsoir, bonsoir et puis aussi merci. On applaudit Gloria Lasso, Vénus. Alors dis-moi, ta première apparition en public, c'était à l'âge de 6 ans, non? Oui, si on peut appeler ça une apparition en public, c'est-à-dire que j'avais un papa qui était absolument délirant. Ouais. Oui. Il te faisait chanter dans les cafés? Oui, il me faisait chanter dans les cafés, sous une table. Et puis, et avec des maracas. Ouais. Et c'était tragique, quoi. C'est vrai qu'il a essayé de te violer, ton père, non? Non, non, il n'a pas essayé, il m'a violé. Non. Oui. À quel âge? Salopard. À quel âge? Oh, pardon. Non, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Oui. Ah, il y en a aussi comme ça. Hein? Ouais. Oui. Ton premier mariage, c'est vrai que c'était de force. Et tu as eu ton premier enfant très très jeune, non? À quel âge? À 15 ans. À 15 ans. Oui. On t'a marié de force. Oui. C'est encore ton père qui a fait ça? Non. Ça, c'était ma mère. Ah, ils étaient mariés. Sacré parent. Oui, oui. Et alors aujourd'hui, tu es arrière-grand-mère, non? Ah oui. Ouais. Oui. Dis-moi, mais tu es plutôt bien conservée quand même pour une arrière-grand-mère. Moi, tu es la plus jolie arrière-grand-mère que j'ai jamais vue quand oui, même. Oui, oui, je suis une arrière-grand-mère absolument délirante. C'est parce qu'elle s'est fait beaucoup tirer. Bon, alors on va y aller là, Gloria, parce que maintenant c'est le moment important. Ah oui. Donc tu as été mariée 10 fois, on va essayer d'y voir 9. Clair. 9. On va essayer d'y voir clair. On va les prendre un par un, si tu veux bien. Allez. En piste. Alors le premier s'appelait Guillermo Terrero, c'est vrai? Oh, s'il te plaît. Hein. Quoi, s'il te plaît? Celui-là, oublie-le parce que je suis malade seulement à me rappeler. C'est un sergent de carrière. Oui, oh là là, oublie-le. Gloria, c'est quand même lui qui t'a fait tes 3 enfants. Oh, oui, oh, ben, c'est 3 accidents que j'adore d'ailleurs.
Alors le deuxième, c'est vrai, alors je sais pas, hein, c'est vrai qu'il s'appelait Maurice, que c'était son ton impresario, et qu'il a vécu avec ton pognon jusqu'à sa mort. J'en sais rien, moi. Voilà, mais je ne l'ai jamais épousé, non. Ah bon? Non, il était déjà marié. Ouais. Et je ne le savais pas. Ouais. Oui, je l'ai su parce que j'ai trouvé un jour un petit message de son épouse dans sa veste. Ah ouais. Alors, le troisième, c'était ton coiffeur, Claude. Et c'est vrai que tu l'as surpris un jour avec un garçon? Oui. Ah. Mais il était très mignon. Il était très mignon, Claude. Ah oui. Bon. Alors, le quatrième, alors là, par contre, on y arrive. Ça, c'est le pire, ça. C'est oui. Jean. Oui, celui-là, c'est le français. Celui-là, on le laisse. Jean Marcy. Mais dis-moi, c'est pas lui qui a épousé Pierrette Le Pen depuis, non? Un petit ange. Non, il l'a pas épousé non plus. Non, non, il lui a fait faire un livre. Il a fait un livre, je crois, et il l'a fait poser nu dans Playboy. Ouais. Le cinquième, il s'appelait Ernesto, c'est ça? Ah, oh, le merveilleux Ernesto. Ah, Ernesto, tu regardes un beau souvenir. Contre lui, ouais. C'est un chef. Ouais. C'est un guitariste. Là, il faisait bien l'amour, oui. Ah, tu le regrettes. C'est le seul que tu as l'air de regretter jusqu'à maintenant. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. C'est merveilleux, merveilleux. Alors, le sixième, il s'appelait Daniel, et c'est vrai? C'est un avocat mexicain. Daniel, un avocat, oui, avocat oui. Mexicain. Ah ben, là, il était con, lui, alors. Ouais. Alors, le septième, je ne sais pas si c'est vrai, il était toréador et il gardait les oreilles au frigo. Oui, non, il ne les gardait pas au frigo, mais c'était une véritable massacre. Alors il partait dans ses cours de taureau, d'ailleurs c'est pas tenable. Oui. C'est pas tenable. Et le huitième et le neuvième, j'avoue que j'ai pas d'informations, je t'écoute, c'était qui? Le huitième. Ah, le huitième, c'était Nicolas. Oui. Nicolas. Ouais. Il a 24 ans. Mmh. Et puis ça marchait très bien, c'était formidable, on s'entendait très bien, on s'amusait bien. Ouais. On travaillait très bien et tout ça. Mais un jour, il m'a sorti qu'il voulait des enfants. Alors là... Le neuvième, c'était Salvador, c'est ça? Non. On l'a oublié, Salvador. On a oublié Salvador. Non, Salvador, c'est un gentil garçon qui est venu avec moi du Mexique, avec lequel j'ai été mariée 7 ans. Et puis, il est arrivé ici en France, et puis les femmes françaises, ouais. Merveilleuses. Mais un jour, j'ai reçu un coup de fil me disant, « Allô, c'est Madame Gloria Lasso. » Oui, écoutez, je vous appelle avec une voix comme ça. Je vous appelle parce que, vous savez, je suis très malheureuse. Ah bon? Oui, est-ce que je suis... Bon, écoutez, je suis l'amie de Salvador. Ah, je viens quoi, je peux vous être utile en quelque chose? Eh bien non, parce que je voulais savoir si vous allez divorcer. Ah, mais voilà une information. Je dis, écoutez, vous me dites que vous l'aimez beaucoup, que vous êtes très amoureuse, oui. Eh bien, je vous la donne. Et j'ai accroché le téléphone. Et puis, Salvador est arrivé le soir. Il a trouvé ses valises à la porte. Ouais. Et il m'a dit, tu pars en voyage? Non, chérie, c'est toi qui pars. Ah, bravo, bravo. Gloria, est-ce que le soir, avant de t'endormir, tu t'endors en comptant tes maris, comme ça, est-ce que tu repenses à eux? Absolument pas. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intérêt? Fatigant, excusez-le, messieurs, dames. Hein. C'est du mal. Arrête, c'est pénible, ça. Tu vas pas nous faire les ritournelles toutes les 5 minutes. Hein? On a les cassettes. J'en peux plus. C'est loin, tout ça, c'est fini. Il faut tourner la page. Je peux pas tourner la page un bon coup. J'en peux plus, François. J'y pense tout le temps, ce truc. Pense-y, mais arrête de brailler dans le bistrot. Pensez à Dutron, là. Ah, il y avait quelque chose de pas mal dans cette séquence, il parlait de Van Gogh. Non, c'est pas celle-là. Moi, justement, j'ai une des séries sur Van Gogh. On fait Van Gogh, c'est un mec qu'on avait vraiment dans le cinéma. C'est pas cette séquence-là. Ah bon? Tu étais à l'enterrement de Dutron, toi? Non, j'ai pas pu à cause de double jeu. Moi non plus, ça me va. Ce soir, tu es venu avec ton bouquet de cactus. Je te laisse avec tes cactus. Yeah.
tu as dit, en 27 ans, j'ai bu comme un homme normal en 3 siècles. Pas mal quand même. Oui, j'ai dû boire pour 3 siècles. Pour 3 siècles. Oui. Et tu buvais quoi particulièrement ? Je n'irai pas jusqu'à dire de tout, mais bah, du matin au soir, oui. Mmh. Toutes sortes de choses. Ah, tu veux tout savoir les... Non, je ne sais pas, une recette comme ça. Il n'y a pas de recette. Le slinger, par exemple, ça se fait comment ? Slinger, c'est du... Il faut de la menthe fraîche, il faut du cognac, ouais. Et puis du jet, mais blanc, tu vois. Mmh. Voilà. Et ça te glisse parfaitement. Mais en principe, c'est un. Ouais. 20, ça devient autre chose. Entre le whisky, le champagne, enfin les... Ouais. Bon, enfin, c'est tout ça. C'est du passé, tout ça. Même j'ai de la mémoire. Hein, ouais. Tu t'es arrêté du jour au lendemain, en plus. Oui, à la seconde près. Bah. En sur... sans cure de désinto. Sans cure. Comment ? Sans désinto. Ouais, non, ça c'est une erreur, d'ailleurs. Ouais, pourquoi ? Parce que tu le supportes très mal 4 mois après, parce que tout le monde t'admire au début. Tu dis, oh, quel courage il a, quelle volonté, machin. Et petit à petit, quand tu commandes de l'eau, t'es jamais servi. Ouais. T'aperçois que t'as l'air d'un con au milieu des gens. Je peux avoir, oui, oh, ça arrive, monsieur. Non, mais après, tu risques de tomber dans un état plus ou moins, je veux pas dire dépressif, ouais, mais... quand même. Tu payes la note, quoi. Ouais. Mais t'avais quoi ? T'avais le foie qui avait explosé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il était bien. Enfin, au point de vue gamma GT, j'ai battu les records. Hein. Ouais. Ouais. J'ai battu Boringer de... Lamentable. Lamentable. T'étais niveau Gainsbourg, quoi. Ah non, il était ridicule. 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 Non, mais si tu veux, j'ai arrêté comme a fait James Dean, quoi. Ouais. Au moment où il fallait. Ouais. Voilà. Mm-hmm. J'étais en train de... Pardon. Ça vaut combien un truc comme ça ? Oh, ça vaut le prix d'un repas. Là. Ah ouais. T'en fumes combien par jour ? Le plus possible. Ça fait de l'effet ? Pour les autres, oui, parce qu'il y a... Mais je supporte pas. Il y a une vanne que t'as pas dû manquer de faire quand tu tournais Van Gogh. T'as dû la faire, c'est Théo et Débat, non ? Oui. Tu as fait souvent celle-là. Oui, j'en ai fait d'autres. Un Van de Gogh, c'est un paix. Ouais. Un Van Gogh, pas mal. Alors, en fonction des Théo et tes bas, je vais te faire une interview up and down, t'es prêt ? La plus grande joie de ta carrière ? La plus grande joie de ma carrière, ouais. C'est lorsque j'ai eu un gala d'annuler, que je suis rentré à 8h pour lire les pieds du cœur dans la chambre d'hôtel merdique. Ouais. Et la plus grande déception ? Bah, c'est d'essayer de se masturber avec les pieds nickelés, c'est... on n'y arrive pas. C'est dur, ça prend du temps. C'est effrayant. Le plus grand moment de ta vie ? C'est maintenant. Oh, qu'il est gentil. Et le pire moment de ta vie ? Fais gaffe à ce que tu dis. Bah, ça va être après. Quoi. Et chez Françoise, alors ? Oui. Ce que tu préfères chez Françoise ? Rien. Oh. Mais non, c'est un tout, je veux dire. Ah bon ? C'est un tout. Ce que tu détestes chez Françoise ? C'est côté paperasse, un peu. Ouais, ça t'aime pas. Plus comptable que moi. Ouais, côté capricorne, quoi. Je ne rentrerai pas dans les... Ah bon ? Signe astrolo, je sais pas quoi. Moi qui croyais qu'on allait parler d'astrologie, ah, monsieur Dutron. Mais vous pouvez, monsieur. Alors, il y a des phrases que tu dis, comme ça, des fois. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est des phrases définitives et tragiques. Tu dis, entre guillemets, « J'aimerais tellement avoir envie de quelque chose. Mmh. » Ça veut dire quoi ? Que le matin, tu te lèves et t'as envie de rien. Oui. Mais c'est non, déjà, j'ai envie de me lever, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce que beaucoup de gens restent dans le lit, oh, j'ai pas envie de me lever, mais il faut que j'aille faire ceci, ce... Non, je me lève et c'est ça qui est terrible, c'est que bah, après je tourne, tu vois, au cinéma, ouais, bien sûr, et puis par moments... D'accord. Tu aimes bien, comme tu sais pas très bien ce que tu as, tu dis par exemple, j'aime bien avoir mal aux dents, parce qu'au moins tu sais où t'as mal. Mmh. C'est bizarre quand même, non ? Ah oui, mais ça, on rejoint un état où tout va pas très très bien, et c'est insidieux, c'est sournois, on ne sait pas exactement. Et d'un seul coup, parfois on a mal à la dent, on dit tiens... Ah, je sais où j'ai mal. Sais où j'ai mal. Et là, t'es content. Tu sais où t'as mal. Oui. Je vais ravi chez le dentiste, j'ai essayé. On dit que vous avez l'air bizarre. Tu sais quoi faire ce jour-là, au moins. Et tu dis aussi... La vie, c'est vraiment des aphorismes. Hein. La vie, c'est faire semblant de ne pas être mort. Mmh. C'est dire quoi ? Rien. Ah bon ? Ton canular le plus réussi ? Il y a l'époque où on mettait les chaussures à côté des portes, ça pour les faire nettoyer.
j'envoyais mon secrétaire acheter les mêmes. Ouais. Alors, soit une taille en dessous, une taille, ou le matin, c'était génial, parce que les mecs trouvaient toujours une explication. Ça doit être le chauffage par le sol qui m'a fait gonfler les pieds, je sais pas quoi. Enfin, ça me faisait assez rire. Il y en a eu d'autres où on chiait tous dans un journal. Et bon, ils ont foutu le feu au journal, et on tapait à la porte, on disait au feu, et bien entendu, la personne devait dormir, donc son premier réflexe était d'arriver pieds nus ou en pyjama, et de... Et celui qui a mal tourné? Ben, il n'y en a pas encore, justement. Bon, on va jouer à un jeu idiot. Mm-hmm. Comme d'habitude, de toute façon. Je vais te donner des noms de gens, comme ça. Mm-hmm. Un peu comme le tir aux pigeons d'argile. Je vais les jeter en l'air et tu vas me dire ce que t'en penses. Zulawski, par exemple. Bien. T'en penses que du bien, ça va? Bien, bien. Vis-à-vis de moi, bien. Godard? Bien, 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 bien. Tu ne peux pas dire bien, bien tout le temps comme ça. Bah écoute, moi j'aime bien Godard. Moi. Ouais, moi aussi, moi. Claude Sauté. Ah, c'est la famille, ça. Donc, ouais. Je ne peux que l'apprécier. Mon on se croirait chez Drucker, là. Comment? On se croirait chez Drucker, là. Bah on n'y est pas, hein, malheureusement. Bah oui. Hein. Parce qu'au moins les questions auraient été idiotes et tout ça. Ouais. Antoine. Les chemises à fleurs, Antoine. Oh, il a bien fait de faire de la voile, quoi. Ouais. Bah, voilà, un bon divertissement. Mmh. Ouais. François Hardy. Quoi? Ben, oui, non, bien, pas bien. Non. Non. Jacques Lanzmann, donc. Ben, je l'ai revu ouais, grâce tu l'as... à toi. Bah ben, oui, tu l'as revu dans 40 ans, 45 tours. Il marche tout seul maintenant. Ouais. Il n'a pas besoin de moi. Gainsbourg. Ben écoute, je crois que là, il est absent pour un peu oui, de temps. Et... c'est quand même le parrain de Lulu, vous étiez très lié ouais, quand même. Oui. Je ne vais pas faire le genre sanglot, c'était mon ouais. ami. C'était un ami, oui. Mm. Enfin, c'est un ami. Mm. C'est un des rares, d'ailleurs, de, par rapport à ce métier. Claude François, tu l'as connu? Oui. Je l'ai connu maquillé et je ne l'ai pas reconnu démaquillé. Parce qu'un jour, il a débarqué en Corse, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce monsieur. C'était lui. C'était moi. Et Johnny Hallyday? Bah oui, mais lui, c'est un pote. On s'est connu, on devait avoir, je sais pas, quel âge, 14 ans ou 13 ans à la Trinité. Ah oui. La grande époque, midi, minuit, la Trinité, Gainsbourg. Ouais. Ben, il était pareil. Il n'a pas changé? Lui, profondément, non, mais autour, oui, puisque quand c'est Mad Max, il est en Mad Max, en hippie, enfin, il suit des trucs, mais c'est un des rares qui, même s'il se met au goût du jour, il est toujours là, je veux dire, c'est un des rares qui a une présence. Et Sheila? Sheila quoi? Sheila, est-ce que tu as connu Sheila? Je sais pas. Oui, elle est venue dîner. On à fait la maison, caméra explore le temps là. Elle est venue dîner chez toi? Ouais. Elle adore le saucisson. Ouais. En parlant de saucisson, tu trouves pas scandaleux les rumeurs qui ont couru sur son compte? Sheila est un homme. Ah oui, mais ça c'était à l'époque où on se faisait pas opérer. Oui. Maintenant, il n'y a plus de rumeurs. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont ravis. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Ouais, ce qui me fout plus les boules, c'est que Hardy a lui a survécu 2 mois du tronc. J'ai pas pu aller à l'enterrement du reste. Moi, c'était le même jour que celui de Nagui, Lionel Cassan et Vincent Perrault qui étaient partis en bateau. Puis qui... Tu te repasses les cassettes de Double Jeu, Thierry, toi? Tous les samedis. Oh. C'est vrai? À 22h30. Moi c'est pas aussi. Malin. Tous les moi samedis, aussi. Je m'en passe une depuis la fin de Double moi Jeu. Moi aussi, et je fais des bips. Chez moi. Avec ma femme, regarde. Tu te souviens de Françoise Hardy quand elle parlait de Jacques? C'est une bonne émission. C'est une bonne émission. Ouais. Je comprends pas qu'on soit viré. Je l'ai regardé samedi, ça va. Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Ta mère était aide-comptable à mi-temps.
Et elle s'est fait faire deux enfants par un homme dont elle n'était pas amoureuse, simplement pour se sortir de son milieu. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si c'était pour se sortir de son milieu consciemment. Je pense que c'était plus inconscient. Je pense qu'elle était très flattée de voir qu'elle provoquait des sentiments très forts chez quelqu'un qui était d'un milieu très différent du sien. Et ils ont rompu, en fait, ton père et ta mère, ils ont arrêté de se voir quand tu avais 3 ans. Ensuite, tu voyais ton père 3 fois par an à peu près, non? Oui, quelque chose comme ça. Et il paraît que tu n'avais pas le droit, quand tu lui écrivais, de mettre ton nom sur les lettres, parce qu'il ne voulait pas que les gens avec qui il vivait le sachent. Oui, c'est vrai, parce que mon père avait sa vie de son côté. C'était une relation... la relation à ma mère était quand même clandestine, et donc ma sœur et moi, nous étions des enfants clandestines. Je n'ai pas d'autres... Et ton père, en fait, a commencé à se vanter d'être ton père quand tu es devenu célèbre. C'est un fait que j'ai su qu'il ne se cachait plus d'être mon père le jour où j'étais un petit peu connue. Et un jour, tu as appris que ton père était homosexuel. Ça m'a rien fait de particulier, parce que je trouve que chacun a ses penchants, a sa façon d'être. Je trouvais ça plutôt amusant. En fait, ça m'a fait rire. Riant-en. Alors, quand tu étais petite, tu n'avais pas trop d'argent. Tu avais une jupe et puis tu es usé les semelles de tes chaussures jusqu'à la corde. Tu en gardes quel souvenir de cette époque? Ce n'est pas une période dont j'aime me souvenir, à part que j'ai quand même eu la chance d'avoir une maman qui m'aimait beaucoup, qui aimait beaucoup ses enfants. Et donc ça, c'est quand même un grand privilège. Par contre, ta grand-mère, tu l'aimais pas beaucoup? J'avais une grand-mère très particulière, on dirait aujourd'hui qu'elle était névrosée à un point extrêmement important. Je sais pas, elle était plutôt du genre hystéro, quoi. Alors elle, par contre, elle n'avait pas beaucoup d'amour à donner. Ouais. Et en ça, elle était très nuisible pour son entourage. Elle te parlait des hommes, elle te disait que c'est tous des salauds, et uniquement préoccupés par la chose. C'est ça, non? Oui, à peu près, enfin, c'était peut-être pas tout à fait ces mots-là, mais c'était d'autant plus surprenant qu'elle était mariée à un homme, donc mon grand-père, qui était le contraire de ça, qui était quelqu'un tout à fait charmant. Peut-être qu'elle rêvait de ça. Oui, je pense qu'elle a eu un problème de ce côté-là, comme tous les hystériques. Elle n'était pas très gentille avec toi, elle te disait que tu n'étais pas belle déjà, et qu'elle avait un gros ventre. Comment tu pouvais avoir un gros ventre quand on te voit maintenant? Parce qu'elle me faisait manger des lentilles et des flageolets. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'elle rentrait dans la salle de bain comme ça pour te dire que tu avais un gros ventre. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez malsain chez ma grand-mère. Elle t'est arrivée à te complexer finalement? Ah, mais complètement. Parce que je sais pas, il paraît que tu n'osais plus enlever ton manteau, que tu voulais jamais te mettre en maillot. Ah oui, elle est quand même arrivée à te foutre le bourdon, quoi. Ah, mais je pense que beaucoup des problèmes que j'ai pu avoir et dont j'ai forcément encore des séquelles assez importantes viennent du déséquilibre très, très fort de ma grand-mère. Oui. Alors, pour évoquer ces années-là, je vais te faire une interview wouzou. On va apprendre un certain nombre de gens de l'époque. Ouais. Et tu vas me dire ce que tu en penses, comment tu les as connus, ce qui s'est passé avec eux. On va commencer fastoche. Johnny Hallyday. Ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il a une espèce de fantasme à mon sujet qui me fait douter de la santé de son esprit par moment, parce qu'il est persuadé que pendant qu'il faisait son service militaire, je lui écrivais tous les jours pour l'encourager, chose que je n'ai absolument jamais faite. Il le croit. Et chaque fois qu'il me voit, et on ne se voit pas souvent, on se voit tous les 10 ans, à chaque fois il me rappelle ce truc-là. Et à chaque fois je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il a ce fantasme? Tu penses qu'il a plus toute sa tête? Je sais pas. Non, mais je pense qu'il doit être un petit peu mytho. Il se peut que je lui ai envoyé une carte postale, je ne sais pas, et alors il a transformé ça en... Sylvie Vartan, tu l'as connue comment? J'avais participé à un musicorama à l'Olympia, et à l'époque, elle avait un très très gros chagrin d'amour. Et c'était qui? Ah non, ça je ne dirais pas. Ah bon. Et j'avais été très bouleversée par son chagrin, parce que c'est vraiment... C'était plus que des larmes, quoi. C'était presque des hurlements. Elle voulait presque se suicider, quoi. J'avais été bouleversée par ça. Donc ça, c'est mon premier souvenir extrêmement marquant de Sylvie, qui naturellement me l'a rendu immédiatement extrêmement sympathique. Sheila, parce que tu la défends toujours, Sheila. J'ai remarqué dans toutes les interviews, tu dis du bien d'elle, tu l'aimes, tu la défends. De toute manière, je me sens quand même un petit peu solidaire de Sylvie et Sheila, dans la mesure où finalement on a débuté ensemble, on a connu un petit peu la même aventure. Donc ça crée malgré soi des liens.
Et c'est vrai que ce que j'apprécie, c'est le fait que, qu'elle ait voulu évoluer et qu'elle ait su évoluer en même ouais. temps. Bon, si le public n'a pas suivi vraiment autant qu'il aurait dû, c'est une autre affaire. Mais j'ai beaucoup apprécié ça chez elle. Et puis en même temps, ce que j'aime chez elle, bon, que Sylvie a aussi, c'est qu'elle a, elle a une pêche et un dynamisme incroyable. Et que quoi qu'il arrive, même dans les moments vraiment difficiles, elle reste positive. Alors à l'époque, tu avais un succès fou. Il y a eu une chanson qui s'appelait All Over the World, bizarrement, qui était une chanson en fait que j'avais faite, Paroles et Musique, et que j'ai enregistrée en anglais, et qui bizarrement a été un succès dans tous les pays anglo-saxons. Ouais. Enfin, donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Angleterre. Et là, tu as rencontré Mick Jagger. Alors, il t'a dit que tu étais son idéal féminin, mais il s'est jamais passé. Ah, il me l'a pas dit. J'ai lu ça dans une interview. Ouais. Oui. Il n'y a jamais rien eu d'autre entre vous. Non, hélas. Hélas, tu dis. Alors, tu as déclaré au Matin de Paris, c'est bien du Matin de Paris, pendant les 6 premiers mois avec Dutronc, c'était formidable, et puis du jour au lendemain, tout a changé, et puis maintenant, après, on ne pouvait plus se voir que 2 jours sur 3 ou 1 jour sur 2. Tu t'en souviens d'avoir dit ça? Je me souviens pas du tout de l'avoir dit, mais c'est possible. C'est possible que je l'ai dit parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on ne s'est plus vu qu'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Oui. Et maintenant, vous voyez tous les combien? Maintenant, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Ça va? Oui, ça va. Et pourquoi ça? Parce que tu crois que les hommes changent quand ils se savent aimer? Non, mais là, c'est tout simplement parce qu'ils préparent un disque. Ah, et donc, bon. Ils louent une maison à la campagne pour pouvoir travailler tranquille, etc. Ouais, ouais. C'est la seule raison, là. Oui, bien sûr. Bon, toi, tu étais très, très amoureuse de lui. Il te traitait de midinette. Il te trouvait trop amoureuse. Parce que lui, il est très détaché, très cynique. Mais non, c'est pas parce qu'il me trouvait trop amoureuse qu'il me traitait de midinette. C'est parce que j'ai toujours aimé des chansons sentimentales. Ouais. Tu devais faire le bilan de votre relation aujourd'hui. Non, parce que tu as dit, tu veux que je te le fasse? Oui, vas-y. Parce que tu as dit, une phrase entre guillemets. Épargne-moi ce travail. Bah oui, oui, vas-y. Tu dis, si je devais faire le bilan de notre relation, t'es prête, hein? J'ai été plus souvent malheureuse que heureuse. Ah, tu l'as cherché. Bah oui, mais je préfère que ce soit toi qui le dise que moi, quand même, j'ai pas à dire ça, surtout ici. Mmh. C'est quoi ici? On est tous les deux, là, sur le canapé, arrête. Oui, non, mais c'est vrai, mais je crois que de toute manière, dans toute relation forte, les moments de bonheur sont plus rares que le reste. Mmh. C'est la vie qui est comme ça. Je crois que le bonheur est plus rare que le reste, c'est pour ça qu'on court après. Mmh. Est-ce que tu ne crois pas que finalement, ces moments de malheur, ou ces moments plus malheureux que les autres, disons, est-ce que tu ne crois pas que c'est ça qui fait ton talent? Bon, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que j'aurais préféré? Est-ce que j'aurais préféré avoir une vie un tout petit peu plus tranquille, un tout petit peu plus sereine? Mais t'aurais pas écrit être moi plus simple dans mes attirances, donc rencontrer des gens plus simples et plus faciles à vivre, ou plus facile à aimer et pas faire de chansons. Je sais pas, je peux pas répondre à ça, j'en sais rien. Au début, vous avez vécu longtemps chacun chez soi. Oui. Hein? Et... Ouais, je pense d'ailleurs maintenant que c'est la meilleure... C'est la meilleure solution. Comme Michel Morgan et Gérard Houry. Oui, quand j'étais petit, on me racontait toujours ça. Que Michel Morgan et Gérard Houry vivaient séparés, que c'était très bien. Non, mais ça, malheureusement, c'est un fait que la promiscuité et le quotidien, ça émousse beaucoup les choses. Quoi. Mais justement, Jacques est quelqu'un qui sait tout à fait se rendre absent, même quand il est là. Quoi, là. C'est le droit de la fuite. Le problème du quotidien avec lui se pose un petit peu moins. Et toi, ça ne te rappelle pas un peu ta propre enfance, finalement, ça, cette espèce de séparation? C'est pas quelque chose que tu recherches? Tu veux me faire une psychanalyse? Je sais pas, toi, tu me fais une consultation astrologique. Tu me fais une psychanalyse. Vous avez quand même décidé de vivre ensemble, finalement. C'était sans doute après la naissance de votre fils Thomas, non? Oui. Pour lui? Pour Thomas? Oui, bien sûr, avant tout. Ouais. Mais pour moi aussi, ouais. pour tout le monde. Voilà. Là, tu es devenue un peu popote quand même, non? J'ai toujours été popote. Tu fais des bols de sel, des tartes au citron, des fricassés de poularde. Hein? C'est de la vapeur solfatique, ça. Hein? Du tronc. Le côté... Qu'est-ce qu'il veut me faire? Rien. Non, je sais pas. Je sais pas un mec comme ça qui a une pépée, qui est une star et tout, puis il la retrouve en train de faire des bœufs grosselles et tout. T'as pas peur, ça,
Non, c'est pas mauvais, mais ça, écoute, pour l'amour, et non. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Emmanuel Berle, dit Théodore, ouais. le mari de Mireille. Absolument. Que je voyais assez souvent. J'allais passer quelques heures avec lui l'après-midi quand Mireille n'était pas là. Il me mettait toujours en garde, il me disait, faites très attention, Jacques Dutronc est tombé amoureux d'une star et pas d'une femme de ménage. Tu vois? Tu fais bien sans savoir. Eh bien, il avait à la fois tort et raison, parce que c'est en fait moi qui me suis lassée d'être une femme de ménage. J'en ai marre maintenant. C'est fini, ça y est. Ah, c'est fini. C'est maintenant, fini. Tu fais du Findus surgelé. Ah, oui, tu as bien raison. Complètement. Oui, ouais. Alors, est-ce que, comme disait Piala, au sujet d'un autre film que Van Gogh, tu crois que vous allez vieillir ensemble? Écoute, je l'espère. Ouais. Non, parce que toi, t'es dur. Par exemple, quand t'écoutes un disque, tu l'écoutes des milliers de fois, je veux dire. Bon, mais lui, ça l'énerve, Dutronc, ce genre de truc. Non, tu crois pas? Tes manies, ça doit le rendre fou. Puis les siennes doivent te rendre folle aussi, non? Parce qu'on a des personnalités très fortes comme ça, ça doit être dur, non? Mais non, à cause de ce que je t'ai dit, parce que bon, il est pas tout le temps là, et puis même quand il est là, il est extrême. C'est quelqu'un de très très discret. Mmh. Et moi aussi, sauf effectivement quand je me suis entichée d'une chanson, là je suis pas discrète du tout, parce que je la mets très fort et très souvent. J'avoue que ça c'est mon plus gros défaut. Mmh. Bah, mais ça va, il te sera beaucoup pardonné. Quand tu le vois faire l'amour au cinéma avec une fille, ça te fait quoi? J'aime pas. Ah bon? Mais de toute manière... Ouais. Tu vas pas voir le film? De toute manière, je n'aime pas le voir au cinéma, déjà. Mmh. Enfin, en dehors de ces situations particulières, je n'aime pas le voir au cinéma. Pourquoi? J'aime pas le voir à l'écran. Ça, je sais pas, ça me gêne beaucoup. J'ai toujours l'impression qu'il joue très très mal. Tu es jalouse comme fille? La jalousie, c'est plus quelque chose qu'on éprouve soi comme ça. Bon, par exemple, si je sais qu'il va tourner avec telle actrice que je trouve, moi, absolument sublime, ça va me tourmenter, je dirais. Ouais. Je sais que j'ai eu un été gâché, par exemple, par Serge Gainsbourg, qui m'avait téléphoné pour me demander de parler à Jacques d'un projet de film qu'il avait, lui, Serge, et pour lequel il souhaitait, comme acteur, Jacques et Charlotte Rampling. Ouais. Et à l'époque, Charlotte Rampling, pour moi, c'était vraiment la femme idéale dans toute sa splendeur, la femme fatale. Et vraiment, je me suis dit, si tu en avec, alors là, je l'ai dans le dos, quoi. Elle est absolument irrésistible. Mmh. Et comme je trouvais lui plus irrésistible que le mari de Charlotte Rampling, que je trouve pas mal, pas mal non plus, que Jean-Michel Jarre, non, mais bon, j'ai précisé que je trouve très bien aussi, ouais, enfin bon, ouais. Ça m'a gâché mon été. Voilà comment ma jalousie peut se vivre. Et le film, c'est pas fait. Mais je ne manifeste pas. Ne se fasse pas. Non, j'ai rien fait. Alors à la maison, vous avez chacun votre zone un peu, et c'est vrai que quand vous avez des choses importantes à vous dire, vous écrivez, vous faites des petits mots, des fois. Oui, moi j'ai fait ça pendant très longtemps, parce que c'est quelqu'un à qui il est difficile de parler, et donc j'avais comme seul recours de lui écrire des lettres, auxquelles d'ailleurs il me répondait très peu. Oui. Ah bon? Ouais. Elle répondait pas en non, plus? Non, très peu, très peu. Il est dur. C'est pas qu'il soit dur, c'est que c'est, je pense maintenant, je crois que je peux dire ça, je pense qu'il a effectivement un problème de communication. Mmh. Et voilà. Tu as dit que tu aimais le côté féminin d'un homme. J'aime l'ambiguïté. Ouais. Ouais, j'aime qu'une femme ne soit pas féminine à 100% et j'aime bien qu'un homme ne soit pas masculin à 100%. Les virils, ça te laisse froid? Schwarzenegger, oui. Hein? Oui, oui. C'est dû à ton père, tu crois? Peut-être. Je ne sais pas, parce que j'ai pas bien connu mon père. Bon, mais c'est peut-être dû à ma propre ambiguïté. Si on est un petit peu ambigu soi-même, on a besoin de ça aussi chez l'autre. Chez un homme, tu veux tout. Tu as dit toujours. Ah bon? La beauté extérieure, la beauté intérieure. Ah ben oui. Donc... Ça diminue les chances. Mais oui, c'est pour ça qu'il m'arrive pas grand-chose. Ouais. Oh. Qu'il m'arrive pas grand monde, pardon. Ah non. On va faire une interview oui non. Oui. Non, pardon. Voilà. Faut éviter de dire oui ou non. Non, tu dis que oui et non. C'est fastoche. Est-ce que si tu le trompais, Dutronc, Jacques, tu lui dirais? Seigneur. Non. Ah. Voilà. Ben voilà, c'est clair, il le sait. Est-ce que tu quitterais tout pour le grand amour? La maison, tout. Maintenant, Thomas, il est grand. Oui. Est-ce que tu préfères avoir des rapports sexuels dans le noir, dans la pénombre ou en pleine lumière? Oh. Comme ici. Dans la pénombre. Dans la pénombre. Ben oui, bien sûr. Est-ce que tu aimes faire l'amour ailleurs que dans un lit?
Pas trop, non. Non, pas trop, finalement, t'es assez popote. Est-ce que tu lis des revues porno? Non. Ah bon? T'as jamais lu Playgirl, par exemple? Non. Ouais. Tu regardes des cassettes porno? Ça m'est arrivé. Ah. Et ça t'a plu? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des acteurs. Ah bon? Parce que tu connais des acteurs. Ils appellent ça des acteurs. Ah oui, ils agissent. Ouais. Ils agissent, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu peux tout faire si tu aimes? Les choses. Les trucs les plus terribles, tu veux dire. Les plus sales, si tu préfères. Les plus sales sexuellement, c'est là où tu veux en venir. Non, c'est là que je suis. Non. Non. Ben voilà, c'est clair, ça on le sait. Est-ce que tu es déjà allé dans un peep show? Non. Continuez, je vais me caresser, moi. Est-ce que tu as déjà utilisé des instruments? Tu veux dire, est-ce que... Ouais. Non, je ne m'oblige pas à dire parce qu'on va être censuré. Non. Jamais. Enfin, je sais, peut-être, mais je n'ai pas de souvenirs récents de ça. Alors. Plein de choses à découvrir. Tu as déjà eu des expériences homosexuelles? Oui. Ah, avec Dev? Tu as déjà eu des expériences sadomaso? Oui. Ah. Tu as eu des expériences d'instant sex, c'est-à-dire tu rencontres un garçon immédiatement, partons ensemble, faire l'amour, comme ça. Un brûle-pourpoint. Ça ne m'est pas encore arrivé. Ça t'est pas encore arrivé. Non, tu vois, finalement, ça comme je suis arriver. Jeune. Tu crois que ça pourrait t'arriver? À notre époque, c'est un peu délicat. Ouais. Difficilement. Ouais. Quoique je peux être assez rapide, mais bon. Dans la seconde, là, c'est pour quelques jours, quand même. T'aurais honte si t'étais surprise, je sais pas, un soir, Jacques rentre à la maison, il ouvre la porte, il va dans ta chambre, il te voit avec une fille. T'aurais honte? Ah, mais lui, il serait absolument enchanté. Justement, je refuse de lui accorder ce plaisir-là. Ah, trop souvent. Voilà, non, mais... Costard de star. Putain, rien. Tu te souviens de ça? Suite Renault, tu t'en souviens? J'étais bien. Pardon. Tu sais que c'est Renault qui m'a donné l'idée d'être rebelle. Pourquoi? J'ai vu le train de vie du mec, les bagnoles et tout, les gonzesses, les bécanes. J'ai dit, il y a un créneau là, rebelle. Il n'y avait personne à son enterrement à Renault. Tu sais pourquoi? Non. C'est parce que tous ses potes, qui sont tous rebelles, pour pas être récupérés par le système, ils sont venus le lendemain. Tu as changé pour lui? Ouais. Ah, c'est quand même les cheveux, oui, et puis les... Ronflaquettes. Côtelettes, là, les ronflaquettes, ouais. T'as toujours ton poulbeau tatoué sur l'épaule? Bah oui, ça ouais, c'est... Pour toujours. Ouais. Tu regrettes pas des jours quand tu prends ta douche d'avoir ça sur l'épaule? Non. Non? Non. T'es content? Ah, j'ai pas que ça, en plus. T'as quoi? Bah, j'ai un aigle, j'ai une gonzesse, qui a une commande de marine. Ah, c'est pas mal, ça. Toute la famille. Ah, il y a tout le monde. Il y a Lolita, il y a un aigle avec Dominique. Et puis, voilà. Ça lui fait de la lecture à ta femme le soir. Comme ça. Alors, tu as dit en fait que tu as changé ton look parce que tu voyais des Renault partout. Quoi. C'est-à-dire que tu dis par exemple que tu avais un foulard rouge autour du cou, tu le mettais au poignet, 15 jours après, au premier rang, il y avait 15 mecs avec des foulards rouges autour du bras, c'est ça? Ouais, non, c'est pas que pour ça, non, mais c'est vrai que c'était un peu agaçant ce phénomène d'identification. Quoi. Ouais. Des mecs, pour prouver qu'ils t'aimaient, ils s'habillaient comme toi. Donc, ouais. Au bout d'un moment. Moi-même, j'étais une caricature, ou je sais pas si c'était eux ou moi, tu vois. Ouais. Les mecs me voyaient dans la rue, ouais, regarde-le, habillé comme Renault, tout. Mais c'est ça, être star. Non, tu t'es donné du mal pour être star, maintenant que tu es star, t'as l'air de vivre assez mal ta célébrité. Non, pas du tout. Hein? Bah, je sais pas, tu dis quand je vais au Megastore, par exemple, je garde mon casque de moto le plus longtemps possible sur la tête. Ouais. Tu l'as dit, ça. Mais j'aime pas être dans les endroits publics avec plein de monde autour. Tu as dit je serais plus à l'aise finalement si je chantais à l'abri des oreilles, un peu comme ça, je serais plus tranquille quoi. À l'abri des bravos, à l'abri de l'argent et des oreilles. Le journaliste qui me posait des questions m'avait dit ça vous gêne pas de chanter et puis que vos disques deviennent vos chansons deviennent un produit et que vous-même vous soyez un produit de consommation. Vous, c'est vrai vos que chansons, vos spectacles deviennent des produits de consommation. Vos spectacles deviennent, fassent partie de l'industrie, quoi, genre du capitalisme, tout ça. J'ai dit que peut-être, quelque part, au fond de mon subconscient, j'aurais préféré vivre dans un pays totalitaire et chanter mes chansons à l'ombre d'une cave, à l'abri des oreilles de la milice. Mais alors pourquoi t'es pas pour Le Pen parce que si Le Pen était là, tu vivrais dans un pays totalitaire, tu pourrais te planquer pour chanter. Alors nous, on a fait une expérience, on t'a remis, pas toi, mais ton sosie, on t'a remis dans l'ambiance de la bohème. Tu vas voir, voici costard de star, Laurent Daffy. Vous cherchez quoi, madame? Le concert de Renault? Non. Voilà, le chercheur. Renault, il passe ici, Fontaine-Saint-Michel. C'est la mer qui prend l'eau, tatatran. Moi, la mer, elle m'a pris.
Je me souviens, un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone. C'est un super mec, ce mec-là, c'est pas un mythe. Ouais, c'est. Ça fait quoi de voir en vrai? Bah là, je suis vachement étonné parce que j'ai l'impression qu'il a changé beaucoup, quoi. Ça fait de la peine de le voir dans le creux de la vague aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Ça fait vraiment chier, chier. J'ai vraiment les bouts parce que putain. J'ai l'impression de pleurer, c'est trop. J'ai pas expliqué parce que c'est trop fort. Toi aussi, tu penses que Bruel lui a piqué un peu tous ses fans? Tout à fait. Ça, c'est vraiment. J'ai déjà pas compris comment les gens sont cons pour écouter ce genre de musique. Signe sa pétition, on s'en fout de Bruel. Ouais. Ah, comme tu le dis, on s'en fout. C'est vrai qu'il a plus une thune. C'est vrai? Non, mais crois pas. Pourtant, je sais pas, il vend des albums, je sais pas, non? Le dernier album, il en a vendu 8. Non. Les cailloux. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends plus rien à la chanson française. Non, mais moi, j'y pige rien non plus, quoi. Tu sais que moi, j'ai un chien, et ça, faut venir chez moi pour le vérifier. J'ai un chien, c'est pas voyou, bien chèlement. J'ai mis ce foulard, c'est pas pour toi, toi. Depuis tout petit. Ouais. Là, je crois que je vais le retirer, parce que ça va plus, là. Vous lui dites, parce qu'il est dans le creux de la vague, que vous l'aimez beaucoup et que vous allez acheter son prochain album. Mais non, c'est pas vrai, je vais pas l'acheter. On s'en fout. Sale. Je suis toujours pas convaincu que vous êtes le vrai. Chantez un peu pour voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? À vous de choisir. Ça, alors là. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ça me rappelle quelque chose. Vous avez une petite pièce pour lui? Ah ben, j'ai pas de porte-monnaie sur moi. Chèque, une carte bleue, il prend tout. Je suis très content de vous rencontrer. Bon, je suis un fan. Tu peux lui dire tu, hein, c'est plus qu'une merde maintenant. Non. Là, vous allez un peu fort. Hein. Vous aimez Renaud? Oui, pourquoi pas. Oui. Il y en a, on se demande s'il chante en français ou en étranger. On ne sait pas, mais lui, on comprend bien. Vous voulez bien signer sa pétition contre le réchauffement de la planète? Je n'ai rien à foutre, moi, de le réchauffement de la planète. Mon autographe, alors. Alors, oh. Tu peux venir à la maison un jour si tu sais pas où dormir. Ouais. Il est devenu pauvre, hein. Bah, ça marche pas du tout son album, et là il va faire une tournée dans le métro. Vous voulez lui demander un autographe? Ah ouais, je vais lui demander. Venez. Peut-être qu'il a écrit une chanson sur Tonton, ça a pas marché? Ouais. On se dépêche, on essaie d'avoir au moins 3 autographes aujourd'hui. Mais vous êtes dur avec lui, hein? Au fond du trou, hein? Et vous le faites travailler dur comme ça tout le temps? Ouais. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Ouais. Laurent Baffy, costard de star. Pas mal. Oh, c'est pas mal. Hein? Je sais que t'aimes pas beaucoup quand on rigole avec tes sosies, mais c'est pas mal. Ah non, mais là, j'étais mort de rire. Ouais. C'est génial. Très bien. Alors, tu vois, reste où tu es, reste à l'Île-sur-Sorgue, plante tes arbres, et surtout, ne retourne pas dans la Bohème, c'est quand même pas drôle. Ça. Non, mais je sais que je peux retourner dans la rue, les gens sont sympas, quoi. Ouais, ils sont sympas, t'as vu, il y en a un qui te propose de dormir chez lui, l'autre qui te donne une barre de lion de la part de Noah. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute, Corti? Pas la Corti. Pas de Corti, putain. C'est dur pour sa mère, hein, parce que. Ah non, il y avait du monde à l'enterrement. Ouais. Il était aimé, Corti. Il est plus là, Corti. Tous ses potes. Presque autant qu'à Decaune. C'est marrant, tu vois, Girardeau, on n'aurait pas cru, il est toujours là. Ouais. Elle était dans Double Jeu, du coup. Ouais. Belle émission. Belle émission. Fait quoi? Elle avait rencontré sa. Elle avait retrouvé sa fille. Vous aviez dit des gros mots ou non? Pas du tout. Oh, il a piqué perdu de vue, tu sais. C'était pas perdu de vue, c'était. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Bon, ça va être une surprise. Oui. Comme un sacré soirée. Oui, c'est ça. Foucault en moins. Tu regrettes? Non, j'aime bien être là. Bon. Alors, tu vois pas? Non. Bon, on va la faire rentrer. Alors, Julia Girardeau. Bonsoir. Alors, Julia, oui. C'est pour quand? Mois de mai. Mois de mai? Ouais. C'est une fille ou un garçon? Garçon. Comme tu as déjà une fille, tu as le choix du roi. On bravo. La trompette. Ah. Alors, est-ce que tu es prête à interviewer ta mère? Bon, on va essayer. Bon, tu vas prendre ma place. Oh. Et puis, on va y aller. Oh, ben, d'accord. Bravo, dans tous les cas. Est-ce que tu te rappelles le temps que tu as passé en avion pour venir me voir en Italie quand j'étais petite fille? J'ai pas arrêté. Et bon, ça a été toute ma vie pendant 30 ans, quoi. Ou c'était pour ton père, ou pour moi, enfin, ou pour le travail, ou pour toi. Et je me souviens d'une fois, je m'en souviens avec émotion. Je sais qu'à chaque fois, tu me disais toujours,
à Paris, tu me disais, alors maman, quand est-ce que tu arrives? Et j'avais du travail, beaucoup de difficultés, etc. Et bon, finalement, j'arrivais. Et c'était, quand est-ce que tu pars? Et je me souviens, je savais que je devais partir. Et un jour, à l'école américaine, c'est en dehors de Rome. Et un jour, je suis reparti. Et t'es arrivé, et puis tu m'as vu. Et puis je suis parti le lendemain. Et puis, des années après, je peux pleurer encore, alors tu sais, j'ai lu comme ça, par hasard, ton petit cahier, comme ça. Ouais, tu vois, ça prend une fois, je te le dis. T'avais ton petit journal de bord, quoi. Et puis j'ai lu, au moment où on a fait un plaisir, je croyais qu'elle était partie, puis elle était restée. Mais ce soir, elle est partie, et j'ai pleuré. Quoi? Toi, c'est de l'absence de ton père que t'as souffert. Je te rappelle quand je t'ai dit, maman, je suis passée à la casserole. Ouais, c'est vrai, un jour, je vais à Rome, toujours comme ça, toujours entre deux avions, entre six motocyclettes, enfin, je sais plus. Et puis j'arrive à Rome, puis elle me dit, oh, tu sais, je... Bon, puis j'arrive à Rome, et puis je sonne à la maison. Personne répond, alors c'est à Rome quand même. Et puis j'attends, je sonne. Et je vois la fenêtre qui s'ouvre, et elle me regarde. J'ai tout compris, t'avais plus les mêmes yeux. Voilà. Alors je me souviens, je suis reparti le lendemain, toujours. Et je me souviens, quand j'ai décollé de Rome, je le faisais tellement de fois. Et là, j'ai quitté vraiment Rome, définitivement. Parce que, vu que je ne vivais plus avec ton père, mais enfin, on était très amis. Donc si je venais à Rome, c'était vraiment pour toi. À partir du moment où tu n'as plus besoin de moi, bon, je savais que tu étais toujours là, je t'aimais toujours, mais je me suis dit, bon, bah ça va, je suis passé au rang des oubliettes. Et j'ai décollé, je me rappelle. J'ai décollé, je me suis arraché comme ça de Rome. Et j'ai dit, nom de Dieu, ça y est, je suis parti. Je suis libre. Eh ben c'est pour moi, je suis pas libre du tout, parce que tu m'emmerdes encore tout le temps. Voilà. Non, mais bon, mon ton père t'a manqué beaucoup, je veux dire, tu... Bah, oui, je l'ai pas eu. C'est-à-dire qu'il m'a pas manqué, parce qu'à un moment, je sais pas ce que c'était, parce que j'en avais jamais vu. C'est toi qui vas payer les bières, Thierry, là? Ouais. Une autre, alors? Une autre. Tu veux un café? Merci, non, ça va. Je pensais à un truc, là... Martin, quand il s'était cassé, que tout le monde croyait que... Tu te souviens? Tout le monde croyait que c'était pour de vrai. N'empêche, je vais dire un truc, on a hyper bien bouffé en termes de Martin. Ah oui, il y avait un saucisson de Lyon formidable. N'empêche que j'ai vu l'école des fans la semaine dernière, ils s'en tirent très bien, Arthur, c'est bien. C'est bien, il est gentil avec les mômes, si, c'est bien. Je trouve que c'est un concept, tu vois, qui tient bien mieux le coup que Double Jeu. Je peux rien dire, les gosses, ils mettent pas 10 points, ils mettent 10%. Hein. C'est ridicule. Il faut évoluer. Ben moi, tu vois, ce mec-là, je l'aimais beaucoup. Qui? Martin. Moi, j'aime bien Arthur. Moi, j'aime bien Arthur Martin. Voici de nombreuses victimes, des enfants qui sortent de Jacques Martin et qui se sont tous fait plus ou moins violer. Ils ont tous été victimes d'attouchements, des images terribles. Ouais. Il s'est starvé le Bafi, là. Alors là, c'est fini, là, je peux plus faire une école des fans. Les mères vont ramasser leur progéniture. Vanessa Paradis a refusé de témoigner, mais elle en a gros sur la patate. Ah, mais ça, Vanessa Paradis, je dis pas. Mais ça s'est passé beaucoup plus tard. Ah, il t'a que starvé le Bafi. Oh, mes enfants, c'est pas possible, vous me coulez mon fonds de commerce, là. Non, mais tout le monde connaît Bafi, rassure-toi, tu sais. Dis donc. Dis-moi. Je t'enverrai le courrier, hein, Laurent. Hélène va téléphoner pour savoir pourquoi tu touchais pas les vedettes. Tu te rends compte que c'est juste la semaine où il y a des articles comme ça que tu me fais ça? C'est pas de ma faute, c'est que des témoignages spontanés. Tu vas voir, c'est des témoignages spontanés. Je vais te couper les moyens de recommencer, petit voyou. Viens, je vais te donner un cachou. Viens chercher un cachou, limite dans la tête. Merci, j'essaie d'arrêter en ce moment. Dis-moi, non, quand même. Là, bon, c'est vrai, tu as atteint une certaine sérénité. Il vaut mieux, hein, parce que là, ce serait irrémédiable, autrement. Ouais. Non, mais par exemple, quand tu as fait Na, ils ont toujours plus éreinté, finalement, tes films que tes émissions. Quand tu as fait Na, ils t'ont considéré du Na, j'ai une seule critique, et c'est dommage. Ils t'ont fait du mal, quand même. Oui, ça fait beaucoup de peine, mais c'est pas très important. Mm. Et puis, dans notre métier, il faut avoir la peau comme du cuir. Ouais.
Sinon, il vaut mieux pas le faire parce qu'on est appelé à souffrir toute sa vie. C'est vrai que n'importe qui dans cette profession a le droit de dire « Lui, c'est un ringard. Mmh. Lui, c'est un misérable. » Ça fait partie implicitement du contrat. Mmh. Même dans la rue. Mmh. Des fois, un automobiliste s'arrête, je lui ai rien fait. Ouais. Je fais ma gymnastique ce matin et le mec, il a baissé la glace, il m'a dit « Sale con ». Il est reparti. Oui. Il était heureux. Pour une fois qu'on te reconnaît. Quoi. Enfin, tu le connais, ma fille. Hein. Mais dis donc, il a. Hein? C'est moi qui l'ai fauché. Tu l'as eu avant moi, hein? Oui. Bon. C'est un mec remarquable. Oui, sauf que tu as le courage de le mettre dehors. Ah bon? Tu sais pourquoi je l'ai chassé? Non. C'est un pédophile. Oh! Dis donc, mon petit Laurent, tu t'expliqueras après l'émission. Non, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas balancer sur un copain. Dis-moi, tu as eu pas mal d'échecs quand même, il faut bien le dire aussi. Oui, comme tout le monde. Il y a eu ce film Na, c'était quoi? Parce qu'on parle toujours de Na. C'était un hold-up à deux à l'heure. Ouais. Ça n'est pas évident de faire rire avec un sujet sur les gens âgés parce que les gens ont peur des gens âgés. Ça terrorise un peu les gens et puis je sais pas, c'était peut-être un peu naïf dans la facture. Et je crois que bon, ça n'a pas été un succès, loin de là. Ça m'a coûté. Ben, j'ai dû rentrer à la télé pour payer. Ouais, ouais. Et ça t'a coûté aussi pas mal d'années dans les supermarchés à faire des signatures, tu dis? Non, c'était avant. C'était pour pouvoir faire le film. J'ai fait des signatures dans les supermarchés, comme on en fait tous, d'ailleurs. Ouais. Si tu n'en fais pas, moi, j'en fais pas, tort. Non. Tu as bien tort. Ah bon? C'est assez enrichissant. Et la lune entre les dents, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même question. Ouais. Non, ça c'est... Tu veux pas en parler? Non plus. Tu te fais pas du mal comme ça, en te fixant des objectifs très très difficiles, de vouloir faire plein de choses en même temps? Mais je crois que c'est le secret de la vie. Tu te fais du mal? Non, pas du tout. Il faut se fixer des objectifs très hauts. Et puis si on loupe, bah, tant pis, on recommence. Il n'y a pas de honte, on va se casser la gueule. Alors, finalement, tu aurais pu être curé. Archevêque. Archevêque. Tu aurais pu être chanteur d'opéra. Tu aurais pu être journaliste, tu aurais pu être écrivain, animateur télé. Est-ce que tu n'as pas l'impression, au fond, d'avoir gâché un immense talent? Alors là, je veux bien en expliquer, mais ce sera en tête à tête, si tu veux bien. Hein? Ça suffit maintenant. Ne prends pas mal. Ça suffit maintenant. Ok, d'accord. Bon, allez, on lance le sujet, s'il vous plaît. Il y a intérêt. Ok. Excusez-moi. Putain, merde. Jacques, mais viens, putain. Non, non. T'es en train de me foutre en l'air dans l'émission, non, tu fais chier, non, toi. Non, non, arrête, tu te... Mais pourquoi tu te casses comme ça? Tu me fous en l'air dans l'émission, moi. Mais t'es l'invité, mon pote. Non, mais c'est des questions, c'est vraiment... C'est terrible, mais quoi. Mais tu me connais, tu sais bien que je pose des questions. En plus, je viens en copain, et puis d'un seul coup, c'est un piège. Écoute, on dirait que t'as jamais vu mes émissions, merde. Non, mais pour les autres, oui, c'est différent. Je suis quand même, je sais pas, on est sur la même chaîne. Oh, sur la même chaîne, en fait, tu me connais. On tape sur les autres, mais enfin là, je suis bien en copain. Quoi, qu'est-ce que je m'excuse? Bah, ok. Je m'excuse. Ouais, alors gentiment. Ok, je te prie de m'excuser. Non, 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 pas comme ça, ça c'est joué. Je veux. Je te prie. Non, non, simplement, comme tu le ferais un soir où tu rentres très tard. Et où tu dis à ta femme, j'ai été retenu par la télévision. J'ai été retenu par la télévision. Excuse-moi. Non. Avoue quand même que t'es pas facile à vivre. Ben, c'est normal, hein. Sinon, j'aurais fait un autre métier. C'est pour ça que t'as été marié trois fois? Non, 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 c'est pas à cause de ça que j'ai été marié trois fois. C'est elles qui n'ont pas eu la patience. Mmh. Tu as dit les femmes sont nos plus tendres ennemis. Ah oui. C'est vrai? Ce sont nos tendres ennemis. Ouais. Tu n'as pas d'expérience? Bah, j'ai souffert, oui, mais enfin... Oui. Tu veux que je te montre mes blessures, moi? Hein, tiens, regarde, Françoise. Ici. Ouais. Alicia, dans le dos, regarde. Quelle horreur. Tu sais, moi, je veux te dire, je suis un ancien combattant. Tu as l'air d'avoir beaucoup souffert, quand même. Hein. Oui, ça se voit. Hein. Et en ce qui concerne ton précédent divorce, tu as dit, le temps passe, mais je ne pardonne pas. Oui, il y a quelques fois, je ne pardonne pas. Oui, là, tu n'as pas pardonné. Lequel était-ce? Celui d'avant, enfin, ton dernier divorce, ta dernière séparation. Oui, oui. Tu as dit, le temps passe, mais je ne pardonne pas. Écoute, on en fait tout un plat, mais enfin, je me suis marié deux fois. Oui. C'est le moindre mal. Et Céline, tu vas l'épouser? Ça, c'est mon petit jardin. Ah! C'est vrai que tu l'as rencontré sur le plateau du Monde est à vous? Oui. Ça s'est passé comment? Bon, le plus simplement du monde. Ouais. Comme on s'est rencontrés sur un plateau un jour. Tous les deux? Oui. Ouais. Enfin, on a bien fait de ne pas se marier. Oui, tu vois, on ne sait pas comment ça se serait terminé compte tenu de ce qui se passe ce soir. Ouais. Dis-moi, tu as dit Céline m'a réconcilié avec les femmes. Alors, c'est vrai oui, parce qu'elle est... Bon, c'est bien.
parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses que je n'avais jamais eues. Tu dis ça à chaque fois, Armand. Non, mais non, à chaque fois c'est différent. Vous allez faire... chaque fois, je vais finir par passer pour Barclay. Non, t'es pas Barclay. Non, deux femmes. Ah, j'aimerais bien. Tu les revois, tes ex? Oui. Lève-nous, par exemple, tu la revois. Bah, elle est incontournable. Oui, tu viens, on la rencontre partout. Tu te souviens de Turquay? Tu parles si je m'en souviens, Turquay, c'était une émission géniale. Génial, on lui avait demandé sa première partout. Oh. Quoi? Bah oui, bah voilà. C'est un témoignage, mon vieux. Tu étais coincé du cul tout le temps. Bah oui, il ne faut pas vous étonner que le CSA vous ait foutu dehors, mes petits enfants. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le CSA. Il n'y avait personne à l'enterrement, par contre. Non. Personne. Ouais. C'est vrai. Dis-moi, baronne. Bonjour. Tu es baronne? Absolument. Est-ce que tu penses que ça te donne des droits ou des devoirs? Ni l'un ni l'autre. Ouais. Absolument ni l'un ni l'autre. L'aristocratie, ça veut dire quoi aujourd'hui? Eh bien, l'aristocratie, curieusement, en fait, c'est un truc vachement fort. Parce que comme c'est une espèce de minorité, comme toutes les minorités, c'est un truc qui a vraiment des règles, un folklore, et c'est extrêmement vivant, absolument. Vous avez une devise chez les Turquais? Oui. C'est quoi? C'est plus c'est en toi. Oh, c'est joli. Et ça, c'est vachement bien. Oui, c'est bien. Vachement bien. C'est une minorité opprimée, tu penses, les aristos, aujourd'hui? Je pense, oui. Ouais. C'est qui ton premier mari? Ah oui, j'ai eu plusieurs premiers maris. Ah bon? Mais tu parles des maris bagoudouins ou des maris de Marie? Parce que... ceux que tu as épousés à l'église ou à la mairie. Alors j'ai eu un mari bagoudouin qui s'appelle Jean-Noël Fenwick, qui est un grand auteur de théâtre. Ouais, qui a écrit Les Palmes de Monsieur Schultz. Ouais. Il t'a quitté pour une autre femme? Non, c'est quitté pour des raisons qui ne te regardent pas, pauvre con. Il t'a quitté pourquoi? Mais je te le dirai pas, gros malin. Tu l'avais trompé. Dans la vie, on évolue. Oui, d'accord. Bon. Jusque-là, d'accord. D'accord. Donc, t'es pas comme t'es aujourd'hui, comme t'étais quand t'avais 15 ans. Non. Tu fais un bout de chemin avec quelqu'un de 15 ans à, mettons, 19 ans, comme ça m'est arrivé. Parce que j'ai dit, j'en ai eu plusieurs des amours dans ma vie. Des gens qui ont compté, il n'y a pas que ceux avec qui on s'est mariés. Et puis, après, tu changes, et puis lui, il change, t'as plus les mêmes envies, donc tu te sépares. C'est pas que forcément des histoires de cul. Mais il y a aussi des histoires de cul, oui. Ah! Quand même. Quand tu connais quelqu'un avec qui il est couché, toi. Je t'en parle. Le deuxième mari, alors? L'actuel mari. Oui, c'est ça. Je crois, on dirait des agabours. Comment ça évolue, là? Très bien, je te le fais actuellement. Ça va très bien, sentimentalement, sexuellement. Voilà, tu m'as enlevé de la bouche, la façon de parler. Non, écoute, ça se passe au mieux. Ouais. Ça se passe au mieux. Mais je suis toujours très réservée, si tu veux, sur le sujet. Ouais, moi aussi, tu remarqueras. T'as combien d'enfants, là? Je n'en ai que trois. Ouais. Avec le deuxième mari. Oui, j'ai fait les trois enfants avec le même mari, ce qui est dans le spectacle est assez étonnant. C'est un événement. C'est un événement, oui. Et tu les as fait en combien de temps, ces trois enfants-là? Ben, si tu veux, ce qui me fait assez rire, c'est que chaque fois que je suis interviewée par quelqu'un du métier, évidemment, les gens ont l'air de trouver extraordinaire qu'une femme fasse trois enfants. En fait, toutes mes voisines de palier, etc., elles en ont trois. Ouais. Et il n'y a rien d'extraordinaire au fait d'avoir trois enfants, si ce n'est effectivement pour les gens du showbiz. Donc je vais finir par quoi? Parce qu'à entendre maintenant les gens, je suis carrément la lapine du métier, quoi. Je vais te faire une interview première fois. T'es prête? Hein? On est dans l'enfance, dans les enfants, dans les mamans, les papas. Ton premier péché? J'en ai tellement. Le premier que t'as fait? Avec une petite camarade? Ah! Ça lui revient, tiens. J'ai énormément joué à touche pipi avec mes cousins. Alors, c'est très marrant, c'est que... Tiens. Ah ouais, c'était... Tu vois. Mais pas qu'avec les cousins, mais c'était vachement à la mode. Aussi. Les cousins, les cousines, les copains, les cousins, les cousines. Alors, ce qui est marrant, c'est que je les revois maintenant. Et que maintenant, c'est des messieurs vachement sérieux. Puis d'un coup, je m'en souviens, tu vois. Et eux, je me dis, ce gros mec barbu et tout, je joue à touche pipi avec lui. Et lui, évidemment, bah non, il s'en souvient. Puis ce qui me fait rire, c'est qu'il s'en souvient absolument pas, tu vois. Les gens ont rayé ça de leur mémoire. Mais je crois que les enfants jouent moins à touche-pipi, non? On jouait beaucoup. Tu ne jouais pas à touche-pipi, toi? Moi, j'y joue tout le temps. Oui, mais quand tu étais petit? Ah, bah, quand j'étais petit, j'y jouais aussi, bien sûr. Mais tu vois pas que les enfants de maintenant, moins? Je sais pas. Moi, j'ai deux filles. Pour le moment, elles sont petites. Je ne sais pas encore. Je te dirai ça dans quelques temps. Et si elles y jouent? Elles y jouent. C'est sûrement pas un péché, non, alors vraiment, pas, un péché. Pas mettre ça à la tête des enfants, non, hein. Surtout pas. Première boum.
Première boom de 12-13 ans. Qu'est-ce que t'as fait? Rouler des pelles. Comme rouler des pelles, ouais. C'est ça. Voilà. C'est arrêté là. Oh, bah ouais, on avait 13 ans. Ouais. Tu vois, t'es torché un peu, non? Oh, est-ce qu'on buvait à l'époque? Non, on fumait des... Non, c'était des pétards à l'époque. Des pétards, déjà? Oui. Oh, non, 13 ans, un peu plus vieux, quand même. Ouais. 13 ans. Non, vous êtes pas en retard chez vous, quand même. Touche pipi, les pétards, machin. C'était la mère d'une copine. Donc, premier flirt, c'était là. Premier flirt, c'était dans une boum. Il y a eu baiser profond ou simplement... Ah oui. Ah oui, le vrai baiser profond, oui, avec la langue et tout. La première fois où tu t'es retrouvée toute nue avec un garçon? Oh, j'étais vachement étonnée. Ah. Et lui, donc. Ah oui, j'étais très surpris. J'étais surpris que ça se mette tout droit, surtout. Ouais. Sous une douche. Ah, et lui, il est arrivé sous la douche. Non, ça a commencé en bas, comme tous les garçons, puis à un moment, ça s'est mis en haut, si tu veux. Ouais. Et ça m'a tellement étonnée que du coup, ça l'a déconcentrée. Et... Après, je sais plus, on couchait pas si facilement quand même à l'époque. Ouais, ben justement, on y arrive. Première expérience sexuelle, mais avec pénétration cette fois. En général, j'explique clairement, de toute façon, ce qui n'est pas d'ambiguïté. Je sais ce que c'est quand même. Ben, je sais pas, tu peux me le dire. J'ai une vie de femme, j'ai 3 enfants. C'est vrai, on en parlera. très mignon, en fait, j'étais très très amoureuse. Ouais. D'un garçon qui était très amoureux de moi. Et on est restés ensemble pendant 5 ans. Ah bah dis donc. Et tu gardes un bon souvenir de cette première pénétration? Ah non, c'était vraiment hyper désolant. Ah ouais. Bah, je crois que comme pour plein d'années, disent ça. Bah, la première fois, tu te dis, quoi, c'est ça? Ouais. T'es un peu déçu. T'es un peu déçu, quoi. Et puis après, ouais. Première expérience homosexuelle? L'expérience, c'était l'époque. Moi, je suis de la génération, il fallait tout essayer. Eh oui, moi aussi. C'était tout ici. Voilà. Alors, on a tout essayé. Même la télé, regarde. Et alors, je m'étais dit... Et puis, t'étais vraiment ringard si t'avais pas eu une expérience homosexuelle. Moi, ça me disait rien du tout. Mais je me disais, plutôt mourir que d'être ringard, tu vois. Donc, j'avais repéré une nana qui était plus du gazon maudit, tu pouvais pas faire. Et je m'étais dit, bon, il va falloir que je m'aille pas, ça ne me dit rien du tout, mais il faut que j'y aille quand même, tu vois. Et puis, j'y suis allée, mais alors bourrée comme un coin. Ouais. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le seul truc, c'est le lendemain matin, elle m'a dit, et donc, t'es pas une affaire. Ah ouais? Et t'as pu recommencer? Bah non, parce que, si tu veux, ça m'avait... Ouais, voilà. Ça t'a pas et puis, plu. Ça m'avait pas beaucoup plu, et puis surtout, c'était pour l'avoir fait, toi. Alors moi, je l'ai fait, je suis... Tu l'as fait, t'es tranquille. Voilà, je suis tranquille. Première partouze? Ah, ça, c'était... Mais ça, c'est les jeunes, tu vois? Quoi? Bah maintenant, ils sont comme ça. Ils sont... Ah oui, ils sont très coincés maintenant. Ouais. C'était dans le 16e chez ses grands-parents. Tu crois pas s'il vient de dire. Ah. Tu crois pas s'il vient de dire. J'étais chez un camarade, je peux dire un camarade, qui me dit, viens, on va chez des amis, boire un verre. Lave-toi, on sait jamais. Change de culotte, on sait jamais. Non, pas du tout. Genre, c'était un petit ami de l'époque et tout. Puis on arrive dans cette boum, mais on était jeunes, hein, on avait 15-16 ans, tu vois. Puis il y avait des matelas partout, on était les premiers. Alors moi, j'ai pas vu le truc venir, tu vois. Et puis au bout d'un moment, bon, les gens commençaient un peu, tu vois, à flirter et tout ça. Mais bon, tu te dis, je me suis dit, bon, tu vois, ils vont un peu fort, mais après tout, tu vois. Puis après, il y en a qui ont commencé à se dessaper. Et au bout de 2 heures, tout le monde était franchement à poil. Il y avait moi qui m'accrochais, tu vois. Et puis là, il m'a dit quand même, t'es vachement coincé comme nana et tout. Et là, j'ai dit, ouais, je suis vachement coincé comme nana. Voilà. Et t'as rien fait? Non. Tu les as regardés quand même? Non, je suis partie, j'étais assez... Non, je te promets. Non, mais pourquoi aujourd'hui? Bon alors, ok, on continue, deuxième partout. Non, surtout qu'en plus... Bon, maintenant, on va faire une chose, tu vas te lever, tu vas te diriger vers ce fauteuil là-bas, et au moment où tu vas t'asseoir sur le fauteuil va te poser une question. D'accord. Par où je vais? Par là, à tout de suite. Charlotte Durkheim, quelle est la personne que vous détestez le plus? Il y en a beaucoup. J'aime pas Jacques Martin. Pourquoi? Parce que c'est un gros con. Pourquoi? Parce que il aide pas les gens à être intelligents. Puis qu'il a pas l'air gentil.
Elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. C'est une bonne émission, Massia, ça empêche. Ouais. Et le monde à son enterrement, j'ai jamais vu ça. Ouais. Non, l'émission n'était pas bien. Il était adoré, ce mec. Mais... Non, l'émission n'était pas bien. Quel casque. Non, j'aime pas rien, mais... Et tu mourras seul, les petits et inutiles. Ah, quels sont jolis les petits de mon pays. Laï, 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 c'était bien. Tu vois, au moins, on n'avait pas fait que des horreurs, là. Non, il n'y avait pas un seul enculé dans l'émission. Mmh. C'était une émission une spéciale. Mais non, tu me déranges pas, mais je vais commencer l'émission, moi. J'ai l'émission qui démarre. Maman, mais comprends, je peux pas venir maintenant. J'ai l'émission qui commence. Mais arrête avec ton infarctus. Tu sais bien que le docteur Choucroune, il a dit que c'était des douleurs intercostales, maman. Allô, maman. Comment avec qui je suis? Je suis avec Popeye. Mais non, maman, pas Popeye. Popeye. Qui y a d'autre? Schwarzenegger. Mais non, maman, pas le docteur. Mais c'est pas que je préfère passer ma soirée avec eux qu'avec toi. Mais enfin, maman, il y a aussi Enrico Macias. Écoute, maman, laisse papa en dehors de tout ça, hein, je t'en prie. Hein. Mais oui, maman, je lui en parlerai, Enrico, je lui en parlerai, maman. Mais tu me vois en train de lui demander pendant l'émission s'il sait ce qu'il est devenu Maurice, le petit de Madame Benguigui. Ah, moi, j'en peux plus, maman. Bon, je te le passe. Enrico! À cette époque-là, est-ce que tu sentais que tu vivais les derniers temps d'une période paisible? Ah oui. Ouais. Déjà, c'était bien endommagé, quoi. C'est-à-dire que tout était bouleversé. On était en pleine guerre, quoi. Hein. Comme ça se passe en ce moment. Hein. Même, je dois dire, c'est comme en Yougoslavie en ce moment, ou même dernièrement au Liban. C'était comme ça. Par exemple, on avait des copains, on se donnait rendez-vous et on faisait les comptes le soir. On ne savait pas si on allait rentrer chez nous le soir à la maison. C'était aussi dramatique que cela. Tu te posais des questions sur le désir d'indépendance des Algériens. Tu réagissais comment? Nous, on réagissait chacun son intérêt. C'est-à-dire, nous, on était français. On était pour que l'Algérie reste française. Surtout qu'on nous faisait des promesses à l'époque. On nous disait, vous inquiétez pas, l'Algérie sera française, je vous ai compris, et tout ça. Bon, on va pas revenir là-dessus, on va pas refaire l'histoire. Je trouve que, bon... C'est à l'époque où ton beau-père a été assassiné. Il a été assassiné comment? Mon beau-père, il méritait pas d'être tué. Parce que c'était un grand artiste, et puis surtout un homme bon, quoi. Il méritait pas. Puis il a été tué par un inconnu, tout ça parce qu'il était le représentant de la communauté juive de Constantine et que les Algériens, en le tuant, et ils avaient signifié à tous les juifs de Constantine et puis même aux pieds noirs de Constantine qu'il fallait partir. Quand ils nous ont tué tonton Raymond, qui était mon beau-père, ils avaient tué notre sève et les fondations même de notre communauté. Les Algériens étaient jaloux un petit peu de la nationalité française des juifs d'Algérie qui datait de la fin du siècle dernier avec le décret Crémieux, c'est ça, non? Quand le Crémieux a décrété que les Juifs devaient être français, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait le même décret pour tous les habitants de l'Algérie et qu'après on a dû subir les conséquences. De toute façon, tous les gens nous jalousent, à nous, la communauté juive. Que ce soit les gens d'extrême droite, les fascistes, ne pouvaient pas nous voir parce qu'il y en a qui réussissent chez nous. Alors on généralise facilement. Évidemment, c'est les juifs qui réussissent mieux que les autres. Et puis, ceux qui ne pouvaient pas nous voir, ils avaient comme prétexte, ils disaient « Oui, évidemment, ils sont chouchoutés par le gouvernement français. Ils sont plus français que les musulmans. » Alors ils nous ont divisés pour que les autres règnent. À la mort de ton beau-père, tu jures d'épouser Suzy? La mort de mon beau-père a été mon premier mariage avec Suzy, parce que de toute façon, même si je ne m'étais pas marié avec Suzy, nos deux familles étaient liées. Et comme j'étais un peu l'aîné des enfants des deux familles, j'étais considéré un peu comme le responsable. Et alors là, vous décidez tous de partir. Vous avez pris la décision quand? Tout de suite, quand mon beau-père a été tué, le temps de l'enterrer,
J'étais obligé de partir aussi. Comme on dit, c'était la valise ou le cercueil, quoi. C'était la valise et le cercueil, malheureusement. Ouais, malheureusement, oui. On aurait pu éviter l'indépendance de l'Algérie. C'est pas seulement l'indépendance qu'on aurait pu éviter, mais au moins les morts. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre jusqu'à présent, je comprendrai jamais jusqu'à ma mort, c'est que il y a toujours des tapis verts une fois que les gens s'entretuent. Mmh. Je comprends pas qu'il y ait pas déjà des tapis verts avant que les gens s'entretuent. Mmh. Vous êtes parti comment ? On est parti sur le bateau, Sidi Ogba, à Philippeville. Tu dis que dans le bateau, les hommes se cachaient dans les coursives pour pleurer. Ça devait être terrible, cette traversée, non ? Ah oui. Moi, l'image que j'ai, c'est ma grand-mère. Mmh. Ma grand-mère qui était vraiment déguisée. Parce qu'elle avait l'habitude d'être habillée en indigène, quoi, comme on était habillé là-bas. Mmh. Et puis là, elle était habillée avec une robe. Elle ressemblait à une vraie Française, quoi. Ouais. Et... je la vois encore avec ce tailleur de couleur marron foncé. C'était plus ma grand-mère, c'était une autre femme. Vous avez emporté quoi ? On n'a rien emporté. Mm. Je me rappelle que ma mère et ma belle-mère ont dû retourner pour prendre des choses précieuses de là-bas. Mm. Mais quand on est parti, on n'avait pas eu le temps de ramener quoi que ce soit. Un peu de terre, vous avez emporté ? Non. Même pas ? Non. Mm. Non. Et c'est sur le bateau que tu composes « Adieu mon pays ». Oui. Tu veux pas nous faire un petit bout ? J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux. Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie. Merci. Quand tu es parti, tu pensais que tu reviendrais ou non ? Non. Tu pensais que tu reviendrais jamais ? Et t'es jamais retourné ? Non. Et l'arrivée à Marseille, c'était comment ? Je me rappelle des montagnes blanches. Ouais. Des montagnes blanches, et puis surtout, une chose qui m'avait consolé, c'est la couleur de la mer. Ouais. Elle est pareille qu'en Algérie. C'est vrai. Mais c'était difficile au début. Heureusement que l'accent chantant des Marseillais, ça nous avait un petit peu adouci notre rancœur. C'était dur, parce qu'on venait de perdre des êtres chers. C'est très dur. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est toujours dur jusqu'à maintenant, malgré... la réussite et tout. Et ce que je supporte pas, c'est le doute sur l'authenticité et de l'attachement aux racines. Parce que pour moi, d'oublier ses racines, c'est plus être un homme, quoi. Alors un jour, il y a un miracle dans ta vie. C'est Igor Barère qui fait un 5 colonnes à la une. Il veut une séquence sur les pieds noirs. Oui. Et il te demande de jouer au milieu de la nuit. Il manque d'illustration sonore. C'est incroyable. Et on me filme à la mutualité. On finit le film et ça devait passer le vendredi d'après, donc une semaine après. Ouais. Et Igor Barrère vient boire un coup avec moi au bar en face de la mutualité, je me rappellerai comme si c'était hier, et me dit, voilà, Enrico, tout va bien, la séquence s'est très bien passée, mais
c'est la séquence qui saute s'il y a jamais un événement important qui se passe dans la semaine. Alors tous les jours, je lisais le journal pour savoir, pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui meurt, pourvu qu'il n'y ait pas ceci et pas cela, pour que la séquence passe. Et je me rappelle, à 8h du soir, avant même le générique, c'est ma tête qu'on voit à la télévision française, à Saint-Colomb-à-la-Une, et il y avait toute la famille réunie, ma grand-mère, mon grand-père, toute la famille, mon père, ma mère, mes enfants n'étaient pas nés évidemment encore. C'était en 62. Et là, c'est le succès, parce que c'est immédiat, il y a des gens... C'est immédiat, parce que j'avais pris le métro avant d'aller chez ma tante, à Rue de Picpus, pour voir l'émission. Et quand l'émission était passée en direct, à 8h30, j'ai repris le métro pour aller ailleurs. Et je ne pouvais plus faire un pas dans la rue. Et mon père, qui était avec moi, m'a dit, ça y est, mon fils, tu es une vedette, ça y est. Et alors là, il y a eu tout un tas de chansons qui ont été des triomphes absolus, qui ont marqué des gens par millions, et j'aimerais, ça me ferait très plaisir, que tu nous en joues comme ça, un petit bout de chaque. Si tu veux, hein? Ouais, si tu veux. Alors fais Paris, tu m'as pris dans tes bras, on va faire le jukebox, hein? D'accord. Allez, vas-y. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leurs fauteuils. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Fou. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Alors en parlant de filles, maintenant les filles de mon pays. Ah oui. Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Oui qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Millionnaire du dimanche. Attends, Enrico, il avait dit un petit bout de chat. Non, c'est très bien, moi je suis très content. Les millionnaires du dimanche. Attention, sinon je vais dire, ah, qu'il est joli, ma fille de mon pays. Tu n'y coupes pas, ma vie. À chaque fois. Les millionnaires du dimanche. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche. Qui leur va beaucoup mieux. Mon cœur d'attache. Mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison, c'est toi. L'histoire de mes chansons, c'est toi. Mon chemin d'horizon, c'est toi. Mon cœur d'attache, c'est toi la voix de ma raison, c'est toi. L'histoire de mes chansons, c'est toi. Ma vie et ma passion, c'est toujours toi. Enfin, le tout pays. Enfant de tout pays, tant devant main, le fils met l'amour, et puis met la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur ce bonheur. Bravo, merci. Merci beaucoup. Tiens, Thierry, regarde le professeur, voilà, regardez. Waouh, pas mal. Intellectuel, tu le vois l'intellectuel? Raté. Regarde-le. Raté. Intellectuel. Voilà. Pas mal. Pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On va à la maison, je vous montre ma cassette. J'ai fini le montage, le Rebelle 2 en Espagne, le retour. Je peux pas avoir le temps, moi. Non. Bon, d'accord. Vous voulez pas qu'on aille voir mon film, là, de pub sur le poulet? Sur le poulet? Moi, je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. Déjà. Moi aussi. Non, mais venez, moi, je suis en montage du dernier numéro de Un peintre en village. J'ai un spécial Véronèse qui est. Non? Et si on allait aux Folies? Ah mais attends... Ah ouais? C'est fermé? Ouais, c'est fermé.